Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà eu un rêve qui vous paraissait totalement inaccessible? Non, jamais. Nous, on l'a eu, ce rêve. Absolument. Et on est allé le toucher du bout des doigts. Pour vous donner une idée, lorsque je suis arrivé en Nouvelle-Zélande en 2012, vous savez, ce pays magnifique aux montagnes enneigées, c'était pour aller travailler dans le prestigieux studio de Peter Jackson. Alors Peter Jackson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a, à travers son studio, réalisé des effets spéciaux comme Avatar, comme King Kong, comme Le Seigneur des Anneaux. Vous imaginez, c'est pas n'importe qui, et moi, figurez-vous, j'y allais pour travailler sur Le Hobbit. C'était un rêve qui devenait réalité. Surtout que vous imaginez même pas, mais lorsque j'étais plus jeune, étudiant, j'avais encore un énorme poster de Gollum dans ma chambre d'étudiant. C'est pour ça qu'il n'avait pas de petite copine. Oh, plus ou moins. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, j'étais vraiment très heureux d'être là, de faire partie de cette prestigieuse équipe pour travailler sur ce film. Mais de mes premiers réflexes a été d'aller à la rencontre d'une personne que je souhaitais rencontrer depuis longtemps. Effectivement, il travaillait dans le studio, et quand je suis arrivé devant lui, je lui ai dit « Karim Sahai, tu es une légende. » Alors Karim Sahai, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, cet Antillais, ce Guadeloupéen qui est parti il y a plus de 20 ans, déjà de la Martinique et de la Guadeloupe, et qui a travaillé sur des films comme King Kong, comme Aérobot, comme Le Seigneur des Anneaux. Et pour nous, en fait, c'était un modèle. C'est un modèle, quand on parle de 3D, pour nous, c'était la légende qui est partie et qui a fait son chemin. Absolument. Et ça y est, j'étais là, je le rencontrais. Et c'était doublement important pour moi, parce que Karim Sahai rejoint aussi ma légende personnelle. Il faut savoir que lorsque j'étais étudiant en école d'art, ici en Martinique, moi-même issu d'une famille d'artistes, moi qui adorais dessiner, un jour je fais un stage au cours duquel je rencontre Karim Sahai, je le vois avec des gros ordinateurs en train de faire de la 3D. Je savais qu'il avait déjà vadrouillé, il avait déjà travaillé sur des longs métrages. Je regardais ça complètement ahuri et je crois que c'est ce jour-là que je me suis dit, j'ai envie de travailler là-dedans. Ce ne sera pas les pinceaux pour moi, ce ne sera pas l'art tel qu'on le connaît, ce sera l'art mais à travers l'ordinateur, à travers l'image de synthèse. Et c'est vrai que c'était vraiment cette époque en école d'art. Finalement, c'est à cette époque qu'on s'est rencontrés. Absolument. Tout à fait. Mais toi, je crois que ton histoire est un peu différente. Ouais, elle est un peu différente, mon histoire. Il faut savoir que moi, je suis le dernier d'une famille de 4 enfants. Je suis fils d'agriculteur. J'ai aussi 2 passions. Quand j'étais petit, j'avais une passion. Avec ma main gauche, je cultivais, je nourrissais les animaux. Et avec ma main droite, je dessinais. Mes influences, elles étaient multiples. Elles étaient américaines, elles venaient des comics. Spider-Man, Thor, voilà, Tom et Jerry, Tex Avery. Elles étaient aussi japonaises. Et voilà, ces influences étaient tellement fortes en moi que j'avais décidé d'en faire mon métier. Je voulais devenir dessinateur. Dessinateur pourquoi? Parce que pour moi, c'était une façon de raconter des histoires. C'était une façon aussi pour moi de créer mon propre univers. Sauf que quand j'ai demandé à mes enseignants, tout simplement, si on pouvait en faire un métier, ils m'ont dit non. Parce que pour eux, on ne gagnait pas sa vie. On ne pourrait pas gagner sa vie en étant dessinateur. Donc je suis un peu arrivé au baccalauréat, ne sachant pas trop quoi faire. C'est vrai, c'est vrai. J'allais simplement dire qu'effectivement, à cette époque, lorsqu'on voulait choisir une orientation artistique, il n'y avait pas énormément de choix. Et encore moins dans ces domaines-là. Et c'est vrai que par le pur des hasards, mon frère revenant du Canada avec son ordinateur a ramené en fait un logiciel de 3D qui, à l'époque, permettait donc de faire des effets spéciaux. Et je me souviendrai toujours, en fait, de ce moment où, quelque part, j'ai ouvert ce logiciel, par pure coïncidence, et j'ai créé mon premier cube en 3D. Et là, j'étais comme un fou. Je devenais fou parce que, pour moi, sur un écran en 2D, on pouvait, en fait, créer du volume, se naviguer dans l'espace 3D, et pour moi, c'était le point de départ à une nouvelle vocation. Je voulais raconter des choses avec ce médium-là. Voilà. Et donc j'ai continué et je me suis retrouvé effectivement à l'école d'art avec Saïdou et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Effectivement, il faut savoir qu'à l'école d'art, donc ici en Martinique, il y avait une initiation à la 3D. Effectivement, bon, c'est une occasion pour nous d'y toucher vraiment, mais on avait l'ambition, vous allez dire, on a naturellement envie de raconter des histoires incroyables et de travailler sur des grosses productions. Donc il fallait réellement nous former.
Et c'est vrai qu'après avoir obtenu un diplôme à l'école d'art, nous sommes partis sur la grande métropole. On a trouvé une école, l'école donc c'était l'ESRA, c'est une école de cinéma qui proposait une option 3D. Et puis voilà, l'aventure avait démarré d'une certaine manière. Mais le plus difficile quelque part, on aurait pu croire qu'une fois qu'on nous sommes arrivés en métropole, ce qui aurait été compliqué, c'est l'aspect technique des choses, puisque quand on fait de la 3D, on est surtout sur des aspects techniques. Mais au final, ça a été le moment où on a découvert quelque part que nous étions au final issus d'une île et que nous pouvions faire la différence. Nous sommes arrivés, il y a eu le rapport aux autres, on a pris conscience de notre identité, on a voulu se donner les moyens de montrer quelque part qu'on pouvait aussi raconter des histoires à travers nos films d'étudiants. C'est ce qu'on a fait, puisqu'on a fini effectivement majeur de notre promo, toujours avec cette volonté d'aller plus loin. Et donc voilà, le jury s'est bien passé, et quelques mois plus tard, on s'est retrouvés à vadrouiller dans les studios, avec nos bandes démo à la main. Donc ce qu'on appelle les bandes démo, ce sont nos travaux d'étudiants, pour pouvoir donc démarcher les boîtes de production. Effectivement, quand on démarre dans l'industrie, il faut savoir que c'était pas exactement ce à quoi on s'attendait. C'est vrai qu'on se voyait tout de suite sur les Disney, sur les grosses productions. On a commencé par faire des pubs, par faire de l'habillage télé, vous savez, tout ce qui est générique à la télé, d'émissions ou autres. Puis on a aussi fait des clips. Oui, c'est et des pas forcément voilà. Les meilleurs. Des clips qui ont marqué l'histoire. Voilà. Alors voilà, les clips de Rockford. Alors, pour vous donner un peu l'idée, c'est un peu embarrassant. Mais quand même, je dois quand même dire que la fois où j'en parle à ma petite cousine une fois qui me dit mais t'as travaillé sur quoi comme projet ? Et moi je lui dis je bossais sur un clip des Watford. Presque honteusement parce que c'était les boys band de l'époque. Et d'un coup je vois les étoiles dans ses yeux. Waouh, j'adore les Watford ! Et là je me dis, je crois que c'est ce jour-là que j'ai pris conscience que finalement, quel que soit le projet sur lequel on travaille, ce qui est génial c'est de pouvoir créer du rêve dans le regard des autres. Et là, on je était, crois que ça nous a donné vraiment du On était talent. Déjà en train de le faire, en fait. On était déjà en train de créer du rêve. Et notre objectif était quelque part un peu déjà atteint. En tout cas, on était sur la bonne voie. On a continué parce que quand on a un objectif qui est celui de travailler sur des films, on ne le perd pas de vue. C'est comme un phare à l'horizon. Et pour nous, il nous guide. Et c'est ce qu'on a fait. On a continué. Ça a payé puisqu'on a eu accès, en fait, à notre première production. On a travaillé sur Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà, faut savoir que c'est une production à l'époque qui est une des plus grosses productions de la place parisienne. On est à peu près 200 artistes et dans ce groupe de 200 artistes, nous sommes à peu près 4 Antillais. Voilà. Imaginez à l'époque. Donc on nous appelle le gang des Antillais dans les studios. Bon, c'est toujours ça de prix. Au moins on se faisait repérer. Alors après, bien sûr, on enchaîne parce qu'une fois qu'on a acquis cette expérience, les expériences se multiplient. C'est un peu comme quand on a un CV et que voilà, on peut justifier de quelques mois d'expérience. Plus en fait, on travaille sur des longs métrages et plus d'autres longs métrages s'enchaînent. On a travaillé sur des longs métrages comme Batman, Moi moche et méchant. On a travaillé aussi sur Underworld où on a animé en fait des loups-garous, on a animé des vampires, on a animé des créatures qui pour nous étaient invraisemblables et qu'on ne pouvait imaginer que dans nos rêves. Et là, on était en train justement de les imaginer pour qu'ils soient visibles à l'écran par des gens comme vous. C'était extraordinaire. Et la consécration dans tout ça, c'est ce moment en fait où on va tout simplement voir nos noms au générique. Voilà, ça c'est juste magique. Voilà. Merci. Ça paraît anodin comme ça. Ça paraît anodin. Mais imaginez, vous savez quand vous voyez dans le fond de la salle de cinéma à la fin du film, il y a toujours deux, trois pelés qui restent au fond, qui attendent le générique. Ouais, c'est nous. Vous dites, ils sont bizarres ceux-là. Ben, c'est des gens comme nous. Soit des gens comme nous, soit leurs parents. C'est souvent ça. Alors, une fois que ça nous arrive, on se dit quoi ? Bon, ben c'est bon, l'objectif est atteint. Et en fait, non. On décide, au contraire, de trouver un autre challenge. Le challenge, c'est quoi ? C'est de travailler sur des productions internationales. Il faut savoir que Londres, à l'époque, c'était la plaque tournante de toutes les plus grosses productions internationales. Il y avait Pirates des Caraïbes. Absolument, Narnia. Transformers. Il y en avait quand même pas mal. Harry Potter, évidemment. Et là, on s'est dit, ok, on prend nos sacs à dos, on prend nos bandes démo. On traverse la Manche. Et puis on atterrit dans un petit hostel, vous savez, les petites auberges de jeunesse. On a aussi nos dictionnaires. Parce qu'effectivement, on ne maîtrise pas forcément l'anglais, mais pour nous, c'est pas un frein.
Au contraire, c'est un autre challenge à relever. Et on apprend des phrases toutes faites, mais on les apprend parce qu'on veut passer ces entretiens et on veut décrocher nos premières offres d'emploi. Et effectivement, on fait le tour des studios. On essaie même de ne pas se faire repérer pour pas que ça fasse bizarre de voir deux Antillais qui se suivent comme ça dans les studios. Ils disent, c'est bizarre, j'en ai vu un ce matin de Martinique, la même chose. Mais je le connais pas, lui. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Et au final, ça paye. Voilà. Ça paye puisque quelques mois plus tard, on décroche notre premier contrat, en fait, sur une production qui est pour nous la grosse production, celle qui a finalement été un tournant dans notre carrière. John Carter of Mars. John Carter, imaginez, merci. Voilà. Imaginez, production Disney Pixar. Il y avait au moins 4 studios londoniens qui travaillaient dessus. 2000 personnes. Et nous, on venait d'intégrer le studio Double Negative pour travailler sur cette production, sur les effets spéciaux de cette production. Et absolument. On était vraiment au top, heureux d'être là, et en même temps, c'était un vrai challenge pour nous, en fait. Un vrai challenge, pourquoi ? Parce que on se retrouve au final avec des artistes qui viennent du monde entier. Ils sont tous dans des studios de renom et ils arrivent tous à Londres pour travailler sur cette production. À côté de moi, il y avait donc un ami maintenant mais qui a travaillé sur Tarzan. Vous imaginez Tarzan de Disney ? Moi, je le regardais voilà, quand j'ai commencé à faire mes études. Je l'ai vu à Madiana. Et là, je me retrouvais en fait avec lui qui allait travailler sur des plans de la même séquence que moi sur ce film. Donc, c'était pour moi extraordinaire, mais en même temps, j'avais une pression. On avait une pression en fait, tout simplement parce que il fallait qu'on prouve qu'on méritait d'être là et qu'on puisse aussi faire la différence. Il y avait aussi un élément qui était assez passionnant, le fait de se retrouver dans ce studio avec des artistes de partout dans le monde. C'est simplement pouvoir parler créole dans les couloirs du studio. Ça paraît anodin, mais c'est génial. Et surtout que lorsqu'ils nous regardent, ils nous disent « Mais vous parlez quelle langue ?» Il y avait ce plaisir de pouvoir dire « Écoutez, nous, on parle créole parce qu'on vient de Martinique » et de pouvoir leur montrer sur la carte où se trouve la Martinique, sur le parallèle 14. Ouais, exactement. Absolument. Et en fait, on était devenus quelque part des exportateurs de notre île, sans le vouloir, mais on représentait en fait. C'est souvent ce que les jeunes aiment dire, on représente, mais là en fait on représentait. Et on était fiers de représenter effectivement notre pays et surtout montrer que voilà, on est tout aussi capable que voilà, des artistes qui viendraient du monde entier, tout simplement. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs à peu près à cette époque-là qu'on a commencé à se dire, bon, on commence à accumuler pas mal d'expériences. Ça serait intéressant de pouvoir retransmettre. Je crois qu'on avait commencé à se poser, à en discuter, à se dire quelle forme ça pourrait prendre, est-ce que ce serait le bon moment pour rentrer. Sauf que, évidemment, quand vous avez travaillé sur une production comme ça, ben, d'autres opportunités se présentent. Absolument. On aurait pu avoir l'opportunité de partir au Canada, de partir aussi à Singapour, de continuer en fait à vadrouiller à travers le monde. Et pourtant, on a choisi ce projet de pouvoir partager en fait notre expérience. Mais avant ça, Saïdou effectivement a cédé en fait quelque part. J'ai cédé, j'avoue tout. Oui, parce qu'effectivement, j'ai eu cet appel de la Nouvelle-Zélande. Je vous en parlais au début. Effectivement, après John Carter, j'ai été travailler sur Le Hobbit. C'était pour moi comme un ticket d'or. J'étais vraiment heureux d'être là. C'était une production magnifique, très enrichissante. Mais il faut quand même que je vous dise quelque chose. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, vous savez, c'est cette île, ces deux îles en réalité, à l'autre bout du monde. Là où, justement, Peter Jackson a créé l'un des plus gros studios d'effets spéciaux au monde, je n'ai jamais autant pensé à mon pays. Je me suis dit, mince alors, mais pourtant, moi aussi, je viens d'une île. Vous savez, dans la Caraïbe, je suis à côté des Amériques, on est plutôt pas mal placé, on a du talent. Mais je crois que c'est clairement à ce moment-là que j'ai recontacté Johan et on s'est dit, c'est le moment. C'est le moment, exactement. Et on a pris nos bagages, on a mis nos carrières en stand-by et on est rentré créer en fait une école. Une école qui s'appelle Parallèle 14. Parallèle 14. Voilà, et Parallèle 14, c'est avant tout une envie de partager, une envie de transmettre notre savoir-faire, une envie aussi de permettre à nos jeunes qui sont là, d'ailleurs, qui sont aussi issus de cette école maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes là dans la salle ou pas? Alors, est-ce qu'ils sont là, les jeunes? S'il vous plaît, applaudissez-les. C'est nos deux premières promos. C'est nos deux premières promotions. C'est une envie, en fait, et c'est leur permettre tout simplement de réaliser leurs rêves. Ce qu'on veut à travers cette école, c'est que quand il y a un Martiniquais, un Caraïbéen, qui a une passion pour le dessin, une passion pour raconter des histoires, l'envie de créer tout simplement,
qu'ils ne puissent pas se laisser dire simplement, voilà, tu ne feras pas carrière ou tu ne feras rien avec. Aujourd'hui, en fait, cette école existe et ils pourront, à travers cette école, réaliser ce rêve. C'est aussi permettre aux parents de se dire, plutôt que d'envoyer leur enfant très loin se former sans avoir forcément le regard, ça ne se passe pas toujours bien, leur dire, ok, on va réduire un peu les coûts. On va réduire un peu les coûts, tous les coûts d'installation et de déplacement, etc. Vous n'aurez pas à les faire. Voilà, dorénavant, l'école est ici, elle est basée ici. Mais ça reste aussi une école ouverte. Ouverte à la Caraïbe, ouverte au monde. Simplement que c'est apprendre la 3D avec le plus haut niveau au soleil, ici en Martinique. Voilà. Merci. Merci. Aujourd'hui, on arrive à un moment, en fait, à un virage. Pourquoi ? Parce qu'on a créé cette école existe, ce n'est plus une idée, ce n'est plus un rêve. Nos étudiants sont présents, ils sont là, et tous les jours, ils viennent et ils apprennent. Maintenant, il s'agit d'avoir, en fait, aussi un autre objectif. L'école, c'est vraiment un point de départ. Vous vous rappelez, au début, on vous disait qu'on avait envie de travailler dans cette industrie pour raconter des histoires. Alors, c'est vrai, on a travaillé sur des super projets. On a touché les étoiles. Mais c'était des histoires géniales, hein. Mais c'est les histoires des autres. C'est pas nos histoires. Alors, nous allons vous dire notre réelle grande idée pour nos petites îles. C'est tout simplement de créer une industrie. Imaginez une industrie de la 3D, des effets spéciaux, du jeu vidéo, où on pourrait enfin raconter nos propres histoires, créer notre propre imaginaire, que vos enfants, quand ils jouent à un jeu vidéo, qu'ils jouent avec des personnages qui leur ressemblent, des histoires qui puisent, un gameplay qui puise tout simplement dans un imaginaire, dans une culture que nous on connaît. Et aussi pouvoir exporter cet imaginaire, parce que nous pensons que cet imaginaire peut aussi plaire au monde entier. Nous avons des références culturelles qui sont très importantes. Et nous pensons aujourd'hui que cet imaginaire peut s'exporter à travers le monde. Et c'est vrai que finalement, pour qu'un projet comme celui-ci devienne réalité, puisque quelque part il a commencé, l'idée c'est de mettre en connexion tous les acteurs du cinéma, les acteurs du jeu vidéo, les acteurs de l'animation 3D, les acteurs de la diaspora, les acteurs de la Caraïbe, les mettre tous ensemble en connexion et se mettre au travail réellement. Et aussi capitaliser sur ce savoir-faire qu'on est en train de former actuellement à travers Parallèle 14 en partie, capitaliser sur ce savoir-faire. Et justement, ça me rappelle ce moment en fait où nous sommes allés à Trinidad, au festival animé Caraïbe, récemment, où en présentant l'école, il y avait des Jamaïcains, il y avait des Trinidadiens, il y avait des Barbadiens qui étaient là, et qui ont pu découvrir cette école. Et quand ils ont découvert cette école, le mot d'ordre a été « A storm is coming ». Une tempête arrive. Une tempête arrive. Effectivement, une tempête arrive. Parce que justement, on est tous connectés autour de ce projet. Et c'est vrai que cette tempête, elle ne sera pas juste nous deux. Ce ne sera pas juste Johan et moi. Cette tempête arrive, elle ne sera réelle que parce qu'on va décider de travailler quelque part, tous ensemble pour la réaliser. Absolument. Merci.